We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. Cette journée se déroulera donc, comme l'a dit Nordine, en deux parties. La première partie vous offrira la possibilité d'avoir les conférences de ces messieurs Calvin Suarez, du docteur Hamza Poukari et du professeur Gomez. Nos éminents invités vont nous parler de Malcolm X, de sa vision panafricaine, vont nous parler de l'actualité. Mais avant toute chose, chers amis, pourquoi nous rencontrons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous a poussé à organiser cette commémoration? Si vous le voulez bien, remontons 50 ans en arrière. Mes amis, nous sommes le 21 février 1965 dans la salle de spectacle Audubon sur Broadway, dans le quartier nord de Harlem. Il va être 15h et ça fait presque 30 minutes que le frère Benjamin 2X Goodman chauffe la salle. L'assemblée s'impatiente. Finalement, il s'avance et prend place. Malcolm X salue le public comme à son habitude. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Et l'assemblée répond alaikum salam. Et alors qu'il entame à peine son élocution, il est interrompu par une querelle qui éclate dans l'assemblée. Malcolm tente de calmer les protagonistes et les militants chargés de la sécurité se ruent vers le Ritz. Profitant du brouhaha, un jeune homme d'une vingtaine d'années, costaud et fort sombre, se dirige vers Malcolm. Pointe vers lui un fusil à canoncier qu'il sort de sa veste et ouvre le feu. Malcolm s'effondre. Deux autres tireurs viennent achever la besogne. 21 balles en tout. Le dernier souffle de Malcolm Little, cet élève brillant de la Westboro Junior High School de Lansing. Le dernier souffle de Detroit Red, ce jeune voyou des bas-fonds de Boston et de New York. Le dernier souffle de Satan, ce détenu enragé de la prison de Charlestown. Le dernier souffle de Malachi Shabazz, ce bouillant orateur de la Nation of Islam. Le dernier souffle de El Hadj Malik El Shabazz, leader de la lutte pour les droits civiques et leader panafricain. Bref, le dernier souffle d'un homme. Au-delà de ce film de Spike Lee, un film tellement hollywoodien, malgré l'interprétation magistrale de Denzel, je vous l'accorde, au-delà de la légende de Malcolm X, qui voudrait que ce violent prêcheur anti-blanc se soit reconverti miraculeusement après son voyage en 1964 à Mec. Au-delà de cette voix, au-delà de cette personnalité, chers amis, la question est la même. Quel est l'héritage laissé par Malcolm? Mon triste constat est que dans ce siècle qui est le nôtre, l'image a bien plus d'intérêt que le fond et que le contenu. Je promets le message de Malcolm X, quel en est le fond et quel en est le contenu, chers amis. Je posais à un camarade la question de l'universalité de Malcolm. Comment ce porte-parole de la Nation of Islam peut-il aujourd'hui encore être une icône de la résistance à travers le monde, pour les Noirs, mais aussi pour les Blancs, pour les Jaunes, pour les Rouges, pour les Verts? Ce qu'il y a d'universel chez Malcolm, me dit-il, c'est sa subversion radicale. Il fait partie de ceux qui ont été les théoriciens et les praticiens de cette subversion, de cette révolution radicale. Il s'inscrit dans la lignée d'une longue tradition d'individus qui, depuis la haute antiquité, portaient sur leur dos le poids de cette révolution. Dixit, mon frère, la Serge Génou. Un théoricien, un praticien, un brillant orateur, certes, mais un acteur de terrain. On se souvient, par exemple, du 26 avril 57. Johnson Hinton et deux autres membres de la Nation of Islam sont violemment passés à tabac par la police et emmenés au commissariat. Apprenant la nouvelle, Malcolm se rend au poste de police accompagné de quelques fidèles pour réclamer justice. D'une vingtaine, la foule passera rapidement à plus de 4000 personnes. Les trois membres de la Nation sont finalement transférés à l'hôpital et c'est d'un simple mouvement de la main que Malcolm dispersera cette foule en furie.
Malcolm était un homme d'action visionnaire qui transmettait grâce à son aura cette flamme. Vous savez, j'ai souvent vu circuler sur Facebook cette mise en garde de Malcolm. Si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Malcolm nous dit ici que les médias auront le pouvoir de nous faire aimer l'oppresseur et haïr l'opprimé. Les médias belges, chers amis, médias tellement indépendants, c'est tous. De cette Belgique, un des premiers exportateurs mondiaux d'armes. Cela en dit long sur sa volonté de paix. Ces médias nous disent donc qu'il y aura en Irak et en Libye un État autoproclamé islamique qui serait plus barbare, plus sanglant, plus criminel que cette coalition qui en jadis envahit ces mêmes pays. Parmi les coalisés et la Belgique, 20 millions de morts sous Léopold II par exemple, la France, la guerre d'Algérie par exemple, les USA, là on en a plein, les Amérindiens, Hiroshima, le Congo, oui même le Congo malheureusement, effectivement. Les médias seraient donc capables de nous faire croire que ces génocidaires seraient des héros et que leurs victimes seraient des criminels. Pour ma part, je préfère rester vigilant, comme nous le conseillait Malcolm. J'entendais également Malcolm dire dans un de ses discours, « Aussi longtemps que vous serez convaincu que vous n'avez rien fait, vous serez convaincu que vous ne pourrez rien faire. » Une phrase majeure pour une communauté qui a tellement besoin de confiance. Malcolm nous explique ici qu'il est vital de connaître son histoire, mais il va plus loin. Connaître son histoire est vital pour agir, pour entreprendre, pour devenir, bref, connaître son histoire est vital pour écrire son histoire. Beaucoup d'afro-descendants sont totalement ignorants de leur illustre passé. Ils se complaisent dans la médiocrité avec comme seule référence historique pour leur peuple l'esclavage et la colonisation. Pourtant, l'histoire nous enseigne que jadis, l'Afrique fut puissante métropole, capitale du monde, tandis que les pays européens n'étaient encore que des pays du tiers-monde, pays émergents ou pays en voie de développement, c'est selon. Il est important de rappeler qu'au-delà de des souffrances de son passé, l'homme noir doit cultiver aussi la grandeur de son histoire afin de rehausser les perspectives d'avenir de sa jeunesse. N'ayons pas peur en tant que communauté d'avoir notre référentiel. Faisons preuve de virilité, cette virilité si chère à Malcolm. Faisons preuve de virilité en étant enfin fiers de nous-mêmes et en ne tentant plus de ressembler aux autres. Faisons preuve de virilité en ne convoitant plus les biens des autres. Faisons preuve de virilité en ne tentant plus d'imposer nos douleurs et nos cicatrices aux autres qui n'en ont que faire, quand bien même ils en seraient responsables. Faisons preuve de virilité en rejetant le paternalisme. Faisons preuve de virilité en exigeant la justice au lieu de quémander la pitié. Faisons preuve de virilité en montrant à l'oppresseur que nous combattrons jusqu'à notre dernier souffle. Chers amis, nous tenions à organiser cette journée d'aujourd'hui pour donner un écho et un souffle nouveau au message de Malcolm. Son message de virilité, justement, d'autodéfense et d'autodétermination. La question de l'identité reste une question capitale pour notre communauté. Et Malcolm, par son courage, par sa subversion, par son audace, par son rapprochement avec l'Afrique, par l'internationalisation de sa lutte, fait partie de ceux qui ont renforcé cette identité, l'identité noire, certes. Mais surtout, comme je le disais plus tôt, l'identité de la résistance et à l'oppression et à l'injustice. Résistance intercommunautaire et internationale. Je laisse maintenant la parole à Calvin Suarez, le président de la Pour m'avoir sollicité en tant que coordinateur de ce collectif, afin de prendre la parole à cet événement si important pour notre lutte commune. Camarades de lutte, chers amis, l'homme que nous honorons aujourd'hui fait partie de ces combattants dont la clairvoyance et l'héritage brillent éternellement. Un héritage qui éclaire de manière admirable les chemins qui mènent les peuples opprimés vers la liberté. Pas seulement les peuples noirs, bien entendu, mais tous les peuples du monde qui luttent contre le système capitaliste néocolonial qui a servi. Prendre la parole pour parler d'une génération unique, puisque Nordine m'a dit de faire le parallèle un peu avec cette génération extraordinaire, Fanon, Sankara, Lumumba surtout. Prendre la parole pour parler d'une telle génération unique, composée d'hommes exceptionnels, comme je le fis dernièrement encore pour Franz Fanon, Patrice Lumumba, est une lourde responsabilité. Prendre la parole sur le terrain, comme nous le faisons au collectif, dans nos différentes activités, pour transmettre à la jeunesse les armes mises en place par cette génération, pour se libérer, me renvoie, et je vous l'avoue, à mes propres complexes. Quels complexes ? Les complexes du détournement de la seule lutte qui vaille la peine d'être menée.
les complexes d'une génération guettée par le danger de l'aliénation, guettée par le danger du matérialisme. La seule lutte qui vaille la peine d'être menée, celle de la justice, de la liberté et de la dignité de l'être humain. Honoré Malcolm X, Lumumba, Sankara, Mounié, Cabral, Fanon, qui tous dans la trentaine, ils n'avaient pas 40 ans, dans la trentaine, menèrent au péril de leur vie des projets hors du commun, nous renvoient à la figure une question cinglante et existentielle. Chers camarades, notre génération ne s'est-elle pas égoïstement endormie dans les bras empoisonnés du capitalisme matérialiste, néocolonial et raciste? Notre génération ne s'est-elle pas endormie au point de ne penser notre avenir et celui de nos enfants que par ce système? À propos de l'éducation, Malcolm X affirmait qu'il est le passeport pour le futur, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. J'ai peur que l'écho de cette phrase ne soit plus porteur auprès de plusieurs opprimés. C'est pour cela que nous ne devons jamais cesser de transmettre aux générations futures le virus de la lutte par l'éducation, car ces générations mèneront le combat sur les chemins que nous aurons auparavant balisés. L'enfance de Malcolm X indique que parce que nous sommes, nous influençons la vie de ceux qui prendront notre place demain. En effet, il avait de qui tenir, puisque son père, Earl Little, était un partisan du leader charismatique noir Marcus Garvey et membre de l'Association d'amélioration de la condition des Noirs. Dans les années 20, où les Noirs étaient lynchés et où la ségrégation raciale culminait aux États-Unis. Cette ascendance et son parcours montrent la volonté inébranlable d'un homme de faire triompher la vérité sur le mensonge, la justice sur l'oppression, la fierté, la dignité et l'honneur sur la compromission et l'argent roi. Malcolm X fut l'une des intelligences les plus brillantes de son temps, car il a très tôt compris, avant même ceux qui militaient depuis de longues années, le piège que leur tendaient les promoteurs de l'American Way of Life. Ceux qui dirigent les États-Unis depuis leur création, les blancs anglo-saxons protestants connus sous le nom de WASP. Le piège était simple. Couper définitivement les liens entre les Noirs d'Amérique et le continent où se trouve leur racine, l'Afrique. Il s'agissait d'amener les Noirs à s'inscrire dans le fameux esprit pionnier, individualiste et capitaliste, fondé par ces fameux WASP, un esprit qui a, je le rappelle au passage, provoqué le génocide des Amérindiens. L'objectif de ce piège est la perpétuation aujourd'hui d'un monde dans lequel une minorité rassemblée autour de quelques institutions, dont le ressort principal, et j'appuie là-dessus, est le capitalisme néocolonial et le banditisme politique international utilisé pour asservir les peuples, notamment les peuples noirs africains. Peuples sur lesquels ce système a appliqué les exploitations les plus immondes, l'esclavage mercantile, auquel s'est succédé la colonisation, qui lui-même est remplacée actuellement par le néocolonialisme. La connexion entre les mouvements d'émancipation noire d'Amérique et les vrais mouvements politiques panafricains dévoués à la souveraineté du continent et qui se développaient à une rapidité extrême représentait un cauchemar pour les WASP, dont le symbole le plus hideux à l'époque, et Sébastien l'a rappelé, c'était le fameux directeur du FBI, Edgar Hoover. Malcolm X s'inscrivait dans cette connexion panafricaine. Le professeur Gomez et Hamzat en parleront mieux que moi. C'est pourquoi, comme Marcus Garvey, il a toujours maintenu dans sa lutte un contact filial et militant avec l'Afrique, car il a compris dès le début des années 60, et même avant, et avec la mort, surtout la mort de Lumumba, que le système qui avait fondé l'esclavage mercantile était le même qui allait installer la troisième forme d'exploitation des peuples, le néocolonialisme. Les acteurs avaient changé, mais le système finalement restait le même. Cette prise de conscience est parfaitement illustrée dans l'une de ces phrases restées célèbres. Tant que nous nous détestions, tant que nous détestions l'Afrique, nous nous détestions nous-mêmes. Tant que nous détestions les prétendues caractéristiques africaines, nous détestions notre propre aspect. Et vous m'appelez le prédicateur de la haine, mais c'est vous qui avez appris au monde à haïr une race tout entière et maintenant vous avez l'audace de venir nous reprocher de vous détester par la simple raison que nous n'aimons pas la corde que vous nous avez mise au cou. Malheureusement, ce piège qui renfermait le drame
de la détestation de soi et de son identité a fonctionné sur beaucoup de nos frères et sœurs. L'une de nos missions ultimes, comme ce fut le cas pour Malcolm, est de tout mettre en œuvre pour les en délivrer. Voilà donc posées, chers camarades, les bases de la proximité idéologique et politique entre Malcolm X et Patrice Lumumba. En étudiant la vie des deux personnages, j'ai été surpris de voir comment ils se ressemblaient. Lumumba et Malcolm, tous deux issus de milieux très défavorisés à la base, presque happés dans leur jeunesse par le système de l'aliénation, créé à dessein, et je le rappelle, l'un était fier d'être évolué, et l'autre faisait tout pour ressembler à un blanc et se gominait par exemple les cheveux. Tous deux ont réussi un tour de force incroyable, par leurs propres moyens en plus. Hein, ce tour de force, c'était d'opérer en quelques années, une véritable révolution mentale que beaucoup ont pris des années à opérer et ils ont réussi à se désaliéner eux-mêmes par leur propre travail personnel. Une désaliénation qui, pour d'autres, je le rappelais, a pris des dizaines d'années après de multiples échecs. L'un et l'autre ne se sont jamais compromis. Se sont accrochés à leurs convictions jusqu'à en payer le prix ultime, la mort. De leur vivant comme après leur mort, ils ont été soumis à une campagne de diabolisation, destinée à détruire le mythe qu'ils représentaient désormais et les armes qu'ils nous avaient données pour continuer la lutte. Des mythes dont on a essayé d'enfermer les pensées dans le carcan simpliste de la violence. Tous deux étaient des visionnaires et Malcolm X était tout à fait lucide sur cette campagne de diabolisation qui continuerait après son décès quand il affirmait, je le cite, « Quand je serai mort pour de bon, la presse blanche m'identifiera à la haine, vous verrez. L'homme blanc se servira de moi, mort, comme il s'est servi de moi, vivant. J'incarne à ses yeux la haine, un grand mensonge, car cela lui permet de nier la vérité. Cette vérité que je lui ai montrée, je n'ai fait que tendre son propre miroir afin de lui montrer les crimes abominables de sa race contre ma race. » Chers camarades, vous l'avez compris, la pensée de Malcolm X est d'une actualité éclatante, comme celle de Lumumba, de Sankara, de Nkrumah et d'autres de sa génération. Que dirait Malcolm X aujourd'hui à un noir président des États-Unis qui aide Sarkozy à instrumentaliser l'ONU pour aller faire la guerre, pour aller bombarder la Libye de Kadhafi afin de pérenniser un système qui ôta la vie à Lumumba et déstabilisa le Congo jusqu'à aujourd'hui? Que dirait Malcolm X aujourd'hui à un noir, président des États-Unis, qui aide Sarkozy à instrumentaliser l'ONU pour aller faire la guerre en Côte d'Ivoire et procéder à l'enlèvement d'un chef d'État africain légitimement élu, Laurent Gbagbo, en vue d'installer son ami Alassane Ouattara? Que dirait enfin Malcolm X aujourd'hui à un noir, président des États-Unis, presque atone face à la recrudescence des assassinats de noirs et même d'enfants par la police sur tout le territoire des États-Unis d'Amérique? Ce sont des questions qui me viennent à l'esprit lorsque certains soirs, dans mes introspections face à l'actualité, je repense à ces fameuses larmes de bonheur versées par certains de mes amis le soir de l'élection de Barack Obama. Des larmes marquées du sceau de l'ignorance et de la naïveté. Camarades de lutte, chers amis, je ne serai pas long parce que malheureusement, j'aurai à vous quitter tout à l'heure pour une autre activité. Je voudrais tout simplement vous dire que Malcolm était un vrai humaniste. Mais un humaniste, pas un humaniste payant. Un humaniste conscient de la réalité des rapports de force à l'œuvre dans nos sociétés, autrefois, mais aussi aujourd'hui. En témoigne son point de vue sur la société, la dite société post-raciale. Hein, Barack Obama n'a rien inventé. Il disait ceci, il faut reconnaître tout être humain, sans chercher à savoir s'il est blanc, noir, basané ou rouge, lorsque l'on envisage l'humanité comme une seule famille. Il ne peut être question d'intégration dans ce cas, ni de mariage interracial. À partir du moment où on considère l'humanité comme il nous bassine les oreilles, comme une seule famille. Pour ceux qui passent leur temps justement à nous bassiner les oreilles, avec l'intégration. Voilà, à mon sens, une réponse adéquate. Je voudrais, chers camarades, terminer mon propos en nous appelant, comme Malcolm X l'a fait toute sa vie, à l'engagement. Mais pas à n'importe quel engagement, un vrai engagement basé sur le renversement des paradigmes politiques, économiques, sociaux et culturels
qui domine dans nos sociétés. Si nous voulons changer cette société où l'exploitation des peuples prend de l'ampleur jour après jour, nous devons nous investir dans des cellules et structures qui luttent. Et nous devons, au-delà de nos différences, j'insiste là-dessus, au-delà de nos origines, au-delà de nos différences, nous devons nous allier, nous les opprimés, nous devons nous allier pour peser un peu plus dans ce combat qui est pour nos enfants et pour nous-mêmes d'une nécessité existentielle. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation, pour l'organisation de cet événement. Donc effectivement, je suis l'auteur de cet ouvrage « Africa Unite, une histoire du panafricanisme ». C'est un ouvrage qui dégouline de sang. Il dégouline du sang de Malcolm X, de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara et de bien d'autres personnages qui se sont battus pour la dignité des peuples africains et afro-descendants. Alors, dans la présentation qui a été faite, il y a quelque chose de très important qui est déjà ressorti, c'est l'importance de l'histoire, l'importance de connaître son histoire pour écrire son histoire. Et précisément, cet ouvrage-là, il participe en fait d'un champ historiographique qui est l'histoire à contre-courant, qui donne une autre lecture des relations internationales, qui donne une autre lecture du monde tel que nous le connaissons, tel qu'on veut nous l'imposer aujourd'hui. Cet ouvrage-là, sur le panafricanisme, il s'intéresse à un concept qui a déjà plus de 2 siècles d'existence et qui peut se définir de plusieurs manières. D'un point de vue anthropologique, c'est la question que des millions de Noirs déportés dans les Amériques et asservis, rendus à l'état de bêtes humaines, se sont posées. Sommes-nous Africains? Qu'est-ce que l'Afrique? Que nous est-il permis d'espérer? Ce sont des questions éminemment importantes qui se sont posées à la fin du XVIIIe siècle, à la même période où un philosophe allemand qui s'appelait Immanuel Kant réfléchissait sur ces idées d'identité et de cosmopolitisme bien au chaud, au fin fond de l'Allemagne. Sauf que ceux qui se sont posés la même question que cet intellectuel qui fait soi-disant la source de la modernité étaient soi-disant des esclaves. Mais ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient des Africains. Ils se sont battus pour que l'Afrique puisse renaître dans les Amériques. Et précisément, la première définition du panafricanisme, pan-africanisme, c'est l'ensemble des survivances culturelles africaines que l'on peut trouver dans les Amériques aujourd'hui. Parce que la particularité de l'Afrique, c'est d'avoir survécu à la traite, à l'esclavage, et à un certain nombre d'autres humiliations, et d'avoir été en capacité de renaître et de gagner d'importants combats un peu partout à travers les Amériques. Tant et si bien que la question des Noirs aux États-Unis, elle se pose également au Brésil de manière cruciale. Actuellement, il y a un regain de racisme au Brésil, dont on parle très peu, et il est important de le mettre en relation avec ce qui se passe également aux États-Unis. La deuxième définition du panafricanisme, c'est la définition plus historiographique, c'est-à-dire que c'est un courant qui est né à la fin du XVIIIe siècle, qui est contemporain de ce qu'on appelle justement cette modernité, c'est-à-dire les fameuses révolutions françaises, américaines et industrielles, mais qui correspond au début de la révolution africaine. Et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Le panafricanisme, c'est l'histoire contemporaine de l'Afrique et l'histoire de la révolution africaine. C'est une révolution qui est effectivement née en Haïti parce que ce sont des Africains de Saint-Domingue qui se sont révoltés, qui ont arraché leur liberté et qui, depuis Saint-Domingue, ont soutenu d'autres mouvements de libération dans le sud des États-Unis notamment. Je pense à des figures comme Nat Turner, qui s'est beaucoup inspiré de Toussaint Louverture, comme Denmark Vesey, comme Gabriel Prosser. Il y en a eu énormément. Et Malcolm X fait partie de cette tradition de leaders qui se sont insurgés contre l'ordre établi et qui ont été en mesure de remettre l'histoire dans le bon sens de sa marche. Enfin, troisième point, le panafricanisme est une doctrine politique qui est résolument anti-esclavagiste, qui est contre la domination et qui est nécessairement anti-capitaliste. Elle est contre l'exploitation de l'homme par l'homme et elle est également contre l'exploitation de la nature jusqu'à l'extinction de la capacité de régénération des ressources. Donc quand on parle de panafricanisme, dans la dimension notamment politico-spirituelle, il y a l'attachement à la terre des ancêtres. Et c'est ça qui fait que des millions et des millions de Noirs ont rêvé, ont réussi à revenir sur le continent africain. Et c'est cette relation entre ce qu'on appelle grossièrement la diaspora, terme d'origine juive, mais que nous remplaçons par la famille africaine mondiale, et le continent qui forme justement les liens du panafricanisme.
Ça, c'était la définition donc, pour l'introduction de mon propos. Le deuxième point, maintenant, pour en arriver directement à la personnalité de Malcolm X, je crois que Malcolm X est quelqu'un de très important parce qu'il détonne du paysage. Dans cet ouvrage-là, il y a énormément d'intellectuels. Mais il y en a qui sont un peu différents des autres. Il y en a deux qui sont très importants. Il y en a un, il s'appelle Sieler James. Il est originaire de Trinidad et Tobago. C'est l'un des plus grands penseurs issus de la Caraïbe. Et le deuxième, c'est Malcolm X. Quel est le point commun de ces deux personnages? Ni l'un ni l'autre n'a étudié dans une université. Ni l'un ni l'autre n'a le fameux doctorat qui fait qu'on adule autant les intellectuels. L'un et l'autre, James et Malcolm X, sont ce qu'on appelle des intellectuels organiques. Et ça, je crois que cette notion, il faut vraiment la remettre en avant. Il faut que ce soit cette notion qui nous motive et qui nous stimule dans tout ce que nous faisons au quotidien en termes d'activisme. Un intellectuel organique, c'est quelqu'un qui va utiliser son savoir comme de l'huile. Non pas pour le jeter sur le feu afin d'attiser la situation, mais pour au contraire mettre de l'huile dans les rouages de la société pour que la société se remette à fonctionner telle qu'elle aurait dû toujours fonctionner. Donc un intellectuel organique panafricaniste, c'est quelqu'un qui met son talent, qui met ses moyens, qui met sa capacité d'action à faire en sorte que le continent africain retrouve la trajectoire historique dont il a dévié au moment de la traite, de l'esclavage et de la colonisation. La trajectoire historique qu'il a déviée, parce qu'il faut bien comprendre que si le concept qui fonde le panafricanisme est l'unité, notamment l'unité des peuples africains et afrodescendants, ce concept de l'unité, il n'est pas né à la fin du XVIIIe siècle. Avant l'arrivée des Européens, il existait déjà sur le continent africain des empires et des royaumes qui étaient particulièrement sophistiqués et qui fonctionnaient sur des modèles déjà panafricanistes. On avait des alliances de peuples, c'était de véritables mosaïques, des empires comme le Ghana, le Mali, le Sonrail, qui étaient aussi en lien avec le fameux monde arabo-musulman, étaient déjà panafricanistes avant l'heure. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me semble important à garder à l'esprit, parce qu'aujourd'hui, dans la manière dont on analyse l'État africain, des situations comme celle du Nigeria, comme celle du Mali, ce sont des analyses qui sont liées à l'incapacité de la théorie politique européenne à comprendre le fonctionnement des sociétés africaines et à comprendre la manière dont ces sociétés ont été déstructurées par l'imposition de normes qui ne lui étaient pas naturelles. Donc ça, c'est un point qui me semble également important à rappeler. Maintenant, dans la trajectoire de Malcolm X, bon, c'est un parcours qui est relativement bien connu de tous, né en 1925, d'un père garveilliste, 46 la prison, 52-62 la période liée à la Nation of Islam, et beaucoup moins connu en fait la fin de son parcours, qui correspond en fait à sa réorientation vers le panafricanisme. Et cet aspect de son parcours, je crois que c'est sans doute le plus intéressant et probablement le plus prometteur, et c'est ce qui nous fait regretter énormément sa disparition, et c'est ce qui nous fait regretter le fait qu'il n'ait pas été en mesure de former par lui-même un certain nombre de disciples. Parce que ces personnalités, Sieler James et Malcolm X, ont formé énormément de personnes, énormément de mentors. La première université populaire créée par des étudiants noirs américains, c'est la Malcolm X Liberation University, où on enseigne un certain nombre de choses liées à l'activisme, liées aux stratégies de résistance, liées à la manière de construire une communauté. Et tout cela, nous le devons en grande partie à la manière dont Malcolm X a su réorienter le nationalisme noir américain vers une certaine forme d'internationalisme sur laquelle je voudrais dire quelques mots. Alors, le premier élément que je voudrais rappeler, c'est en 1960. C'est l'année des indépendances africaines, c'est également la première année où la révolution cubaine a fait une année complète. Donc, une année complète correspond à une révolution, entre guillemets. Et c'est également la première visite de Fidel Castro à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Lorsque Castro arrive dans un hôtel à Manhattan prévu par les Américains, il constate que le personnel de l'hôtel est particulièrement raciste. Et c'est Malcolm X qui va inviter Fidel Castro à Harlem. Et c'est Malcolm X qui va aller accueillir la délégation cubaine à l'entrée de Harlem. Par conséquent, Malcolm X, à ce moment-là, va se présenter finalement comme le véritable président, entre guillemets, des Noirs américains. Il va faire de Harlem la capitale mondiale, puisque Castro était l'attraction la plus importante, et donc tous les grands leaders du monde entier
les Nasser, les Chukarno, les Tito et autres vont tous venir à Harlem pour rencontrer à ce moment-là Fidel Castro. Et très important, Malcolm X va faire en sorte que cette exclusivité soit uniquement suivie par la presse afro-américaine. Ce que va faire Malcolm X, qui est également très important, c'est qu'il va assurer en fait une intégrité de l'information concernant les Noirs, par les Noirs et pour les Noirs. Donc les réseaux de presse, les réseaux d'information, les médias, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est à partir de là, de 1960, que les médias blancs vont réellement commencer à le diaboliser et vont lui faire payer le fait de lui avoir volé cette exclusivité de la première visite de Fidel Castro aux États-Unis. Un autre élément également qui me semble important, c'est bien évidemment 61, au moment de l'assassinat de Patrice Lumumba. Malcolm X va être l'un des premiers à demander que les États-Unis soient mis sur le banc des accusés. Et ce qui est différent dans la stratégie de Malcolm X par rapport à quelqu'un comme Martin Luther King, c'est qu'il va dès le départ comprendre que l'ennemi, les États-Unis, il faut l'abattre non pas en modifiant les lois nationales, en faisant voter un Civil Rights Act, mais en passant par le droit international. À l'époque, il comptait effectivement sur l'ONU, qui était Michou Michel. Il va faire en sorte que l'organisation de l'unité afro-américaine soit reconnue par l'ONU et par un certain nombre d'instances. Malheureusement, il n'aura pas le temps d'y arriver, il sera assassiné un peu avant. Mais dans la stratégie, il y avait l'idée de bénéficier de cette tribune au cœur des États-Unis pour pouvoir attaquer le régime américain. Donc c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante, qui mise à la fois sur l'internationalisme et en même temps sur une présence stratégique au cœur de l'Empire américain. Donc c'était quelque chose qui était de nature à mettre au cœur des États-Unis une véritable bombe à retardement. Et ça, c'était finement bien pensé. Et malheureusement, le FBI et Edgar Hoover ont été beaucoup plus efficaces pour contrecarrer ces plans. Sur cette question de l'internationalisme, je voudrais aussi lire une brève citation qui est dans l'ouvrage. En fait, c'est lorsque Malcolm X vient quelques jours en fait, avant d'être assassiné, il devait venir à Paris pour donner une conférence et à la demande donc, des autorités américaines, on lui a interdit le fait de pouvoir débarquer à Roissy-Charles-de-Gaulle. Il va donner une interview en faisant une blague, en disant qu'il ne savait pas que son avion avait atterri en Afrique du Sud, puisque le régime français se comportait de la même manière que le régime de Pretoria. Et lorsqu'il va ensuite revenir aux États-Unis, il va avoir ces quelques mots où il explique, je cite, « Les intérêts des États-Unis sont liés à ceux de la France et à ceux de la Grande-Bretagne, et bien évidemment de la Belgique et des autres puissances occidentales. Tout cela forme un seul et immense complexe. Il ne s'agit pas du pouvoir américain ou français, mais d'un pouvoir international. Ce pouvoir international sert à réprimer les masses à peau sombre du monde entier et à exploiter leurs ressources naturelles. Le simple fait de défendre l'idée d'une coalition des Africains, des Afro-Américains, des Arabes et des Asiatiques qui vivent à l'intérieur de la structure a suffi à déranger la France, que l'on dit être l'un des pays les plus libéraux du monde, et à lui faire abattre son jeu. Pour l'Angleterre, même chose. Si l'on songe que le Brésil compte 2/3 de gens de couleur, entre guillemets, de non-blancs, entre guillemets, et que l'on y ajoute ceux du Venezuela, du Honduras et du reste de l'Amérique centrale, de Cuba, de la Jamaïque, des États-Unis et même du Canada, le total dépassera sans doute 100 millions. Et c'est la présence de ces 100 millions-là à l'intérieur de la structure qui préoccupe aujourd'hui très fort le pouvoir. Donc Malcolm X avait très bien compris quel était le rapport de force. Il avait très bien compris qu'il était dans l'intérêt de toute cette personne non blanche, entre guillemets, qui était en fait les héritières de l'esprit de Bandung de 55, un esprit que Malcolm X avait d'ailleurs salué avec beaucoup de vigueur, qu'il était dans l'intérêt de toutes ces minorités de s'unir. Et c'est dans cette optique-là qu'un an après la création de l'OUA, il va mettre en place l'organisation de l'unité afro-américaine en expliquant qu'il est important que toutes les diasporas noires, où qu'elles se trouvent, soient en mesure de constituer leur propre structure, mais une structure politique, solidaire et internationaliste qui ne soit pas dépendante d'un quelconque pouvoir d'État ou d'un quelconque impérialisme. Donc c'était un projet extrêmement ambitieux qu'il va mener avec d'autres figures qui sont malheureusement trop peu connues, mais qui sont réellement importantes. Je pense notamment à l'historien John Henry Clark, un très grand historien qui est décédé à la fin, qui est décédé il y a une dizaine d'années,
qui est l'auteur d'importants ouvrages et qui va transmettre l'esprit de Malcolm X à un certain nombre de milieux étudiants, dont notamment Stokely Carmichael. Donc cette question de l'organisation de l'unité afro-américaine, elle me semble importante à remettre aujourd'hui en avant pour comprendre la manière dont les différentes minorités africaines, mais également non blanches, ont été, entre guillemets, isolées les unes des autres par le système impérialiste que nous combattons tous ensemble aujourd'hui et dont nous subissons de manière indistincte les effets. Un autre point qui me semble important à souligner dans cette brève présentation, c'est de rappeler que les enjeux de cette fameuse, de ce fameux combat pour les droits civiques, ce n'était pas simplement un papier. Et à chaque fois que Malcolm X va se rendre en Afrique auprès des gouvernements africains, la stratégie du gouvernement américain va être de publier dans la presse africaine le fameux Civil Rights Act, en disant « Voilà, Malcolm X est un menteur, voilà la loi que nous avons fait passer, ce qu'il raconte c'est faux, voilà la politique que nous menons, une politique qui permet aux Noirs en fait, d'être des citoyens à part entière. » Donc ça, cela participe également de la propagande. Et dans le Civil Rights Act, le vrai combat, le combat que menaient tous ces militants noirs, concernait un certain nombre de faits sociaux, un certain nombre d'éléments sociaux, qui sont l'accès à des écoles décentes, l'accès à des emplois décents, et également l'accès à des logements dignes. Donc ces trois éléments-là, en fait, il faut les concevoir dans une structure qui est beaucoup plus large et qui va être ensuite développée par des militants inspirés de Malcolm X, qui est la question du respect et du pouvoir. Ce que les Noirs demandent à cette époque-là, c'est d'être respectés et d'avoir du pouvoir. C'est le Black Power et c'est le Respect de Aretha Franklin. C'est ça qui fait l'essence et l'héritage de Malcolm X à cette époque-là, et c'est ça qui fait son actualité et sa pertinence dans les combats que nous menons ici, dans les sociétés occidentales et particulièrement individualistes. D'autre part, il y a la question de la culture. Vers la fin de sa vie, Malcolm X, qui a toujours été un autodidacte, qui a tout appris par lui-même, qui a lu l'histoire, qui a lu énormément d'histoire lorsqu'il était en prison, rappelle l'importance de se réapproprier justement notre histoire, notre culture. Parce que la culture, c'est une base économique. Et par conséquent, lorsque, sous couvert en fait, de l'affirmative action, on va démanteler tous les éléments de solidarité culturelle des Noirs, cela va correspondre à un deuxième type de génocide. Et cela va faire en sorte que la communauté noire soit de plus en plus éclatée, entre des personnes qui vont être promues de manière individualiste, jusqu'à donner un Barack Obama, aujourd'hui président des États-Unis, et des collectifs qui, eux, vont être constamment déstructurés et pilonnés par le FBI. Le Cointelpro arrive un peu après, c'est 67. Mais on sait que la manière dont il fallait éliminer Malcolm X correspond déjà à un pré-Cointelpro. Et le pré-Cointelpro, il y a même un ancêtre qui est la manière dont Edgar Hoover a éliminé Marcus Garvey. Donc c'est toute cette trajectoire historique, et je m'arrête là, on pourrait même remonter plus loin que Garvey, qui fait que nous devons être extrêmement solidaires. Un dernier point sur lequel je voudrais insister, concernant également le passage en prison. Le passage en prison faisait partie et fait encore partie aujourd'hui du quotidien de beaucoup de Noirs américains, de beaucoup de Noirs et d'Arabes ici, les contrôles policiers, ça fait partie malheureusement de ce que nous subissons quotidiennement. Malcolm X fait partie de ce qu'on appelle aussi les prison graduates, les diplômés de la prison. Et à cette époque-là, dans les années 60-70, il y a eu un certain nombre de réseaux, de coalitions multiraciales avec des Noirs, des Latinos, des Palestiniens, des Arabes, qui se sont mobilisés dans les lieux de détention pour faire en sorte que la prison redevienne ce lieu d'éducation politique. Donc nous devons également nous positionner sur ces enjeux-là et faire en sorte que la prison ne soit plus le lieu de recrutement par les agents impérialistes de tel ou tel personnage qui après commettra tel ou tel délit au bout du monde et dont on nous présentera comme étant finalement un stigmate de ce que nous-mêmes représentons et refusons de représenter. Le dernier point également, je crois que dans la pensée de Malcolm X, il y a quelque chose qui allait vers la question de la théologie de la libération. Ici en l'occurrence la théologie de la libération noire, qui fait qu'il a été certainement beaucoup plus proche de ceux qui dans le monde islamique, arabe, musulman, appelez-le comme vous voulez, étaient beaucoup plus révolutionnaires que religieux. C'est ce qui fait qu'il a eu beaucoup plus d'approche, je pense, avec l'Algérie,
avec l'Égypte et surtout avec la Guinée de Sékou Touré, beaucoup plus qu'avec les régimes et les pétromonarchies du Golfe. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble également important, repenser la question de la théologie de la libération noire. Et enfin, le dernier élément, c'est la question du suicide de classe, puisque lorsque Malcolm X va mettre en place l'organisation de l'unité afro-américaine, il va être confronté à l'incapacité de nombreux militants, aussi bien de Nation of Islam que d'autres mouvements pour les droits civiques bourgeois ou petits bourgeois, de rompre avec le néo-impérialisme et d'entrer dans un autre type de lutte qui concernait finalement l'internationalisme. Et cette question du suicide de classe, elle est éminemment présente dans nos sociétés. Un autre intellectuel noir américain, William Du Bois, au début du XXe siècle, émettait la théorie, la fameuse théorie des 10%. Il expliquait que si 10% d'une communauté parvient à atteindre un certain statut économique et social, c'est tous les autres qui en bénéficieront. Or, malheureusement, que cela soit 10% par rapport à 90% ou 1% par rapport à 99%, cette solidarité transclasse et même transgénérationnelle fait encore défaut, et je crois que c'est l'un des combats aujourd'hui qu'il faut être en mesure de mener. Faire en sorte que les élites ne soient pas déconnectées des masses et faire en sorte que ce paradigme même des élites et des masses disparaisse à travers justement la figure de l'intellectuel organique. Donc ces éléments-là me semblent éminemment importants. Je pense qu'il y a une lecture de Malcolm X qui est faite aux États-Unis, il y en a une qui est faite ici en Europe, et il y en a une autre qui concerne le continent africain, où là, les luttes sont différentes. Parce que Malcolm X, lorsqu'il combattait l'impérialisme et le racisme aux États-Unis, le liait dès le départ à la question de l'Afrique du Sud, la question de l'apartheid. Or, l'Afrique du Sud a connu sa révolution, entre guillemets, politique et juridique, qui fait que les Noirs et les Blancs sont égaux, mais il reste encore la fameuse révolution économique et sociale. Ce qui nous amène encore une fois à cette question de la seconde révolution, ou dans le cas africain, de la seconde indépendance. Malcolm X a lutté au moment des années de la première indépendance. Il a été l'un des rares militants afro-américains à mettre ses moyens financiers pour soutenir des régimes africains en demandant en retour de la solidarité. Il n'a pas été énormément suivi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut relancer ces dynamiques-là en créant des plateformes autonomes qui soient en mesure d'enseigner cette histoire, qui soient également en mesure de créer des structures suffisamment fortes qui permettent à chacun d'avoir sa place dans la lutte. Parce que je pense que cette lutte, elle nous concerne tous et surtout, elle nous réunit. Donc c'est toute l'essence du panafricanisme, c'est faire la réunion des forces progressistes, anti-impérialistes, anti-capitalistes, et faire en sorte que cette réunion puisse faire émerger une Afrique unie et forte, parce que c'est de l'équilibre du continent africain que dépendra très clairement l'équilibre du monde tel qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie. Si jamais il accède à la liberté, c'est à ce moment-là que son frère, Reginald, va lui dire, mais il y a un prédicateur qui a connu aussi la prison comme toi. Et non seulement il s'est reconstruit, mais il a proposé aux Noirs une solution, une issue. Cette issue, c'est devenir des missionnaires qui vont permettre aux Noirs d'échapper à la délinquance et à tous les pièges qui balisent et jalonnent le chemin du noir en Amérique, qu'il appelle le sanctuaire de l'oppression. Hein, Malcolm X. Et c'est à ce moment-là que surgit une vision, dont je parlerai donc de la vision. Cette vision, je la lis parce que tout ce que je dis, c'est appuyé sur Malcolm X. C'est la différence avec ceux qui font des commentaires sur des commentaires, ou qui reprennent des textes de deuxième main pour accréditer l'idée d'un prédicateur raciste et haineux. C'est des faits vérifiable par tous. Je lis, un jour, dans une lettre, son frère Reginald lui parle du culte d'Allah, répandu parmi les nègres grâce aux prédications d'un certain Elijah Muhammad. Et sa sœur, Hilda, lui montre la possibilité pour lui d'entrer directement en contact épistolaire avec ce prédicateur. Ce qu'il va faire, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Malcolm X, au moment de rédiger la lettre, juste avant de rédiger la lettre, il fait un rêve, un songe. Apparaît un homme en costume, qui n'est ni noir ni blanc, qui est peut-être brun, et qui va s'asseoir à côté de lui, en lui disant quelques mots
en lui susurrant quelques mots à l'oreille, que je décrypte de la façon suivante. Tu es élu pour une mission divine. C'est plus tard, c'est Elijah Mohamed qui lui dira ça, quand il va aller habiter carrément chez Elijah Mohamed, après sa sortie de prison à Chicago, qui lui dira, c'est Fard. C'est Fard que tu as vu. Or, Fard, c'est qui? Dans la vision de la nation de l'islam, Fard, c'est l'homme qui aurait fondé la nation. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que Fard lui-même a fréquenté à Chicago une structure qui s'appelle donc Moorish Temple of Science of America. Et cette structure était dirigée par un autre homme dont on ne parle pratiquement jamais, qui s'appelle Nobel Drew Ali. Il a fondé donc à New York cette structure, et à partir de 1924, vous voyez la concomitance des dates. 1924, c'est le moment où le mouvement de Garvey est en plein épanouissement. Et effectivement, cet homme dont je parle, dont ne parlent pas les orthodoxes de la nation de l'islam, bien sûr, hein, puisqu'il faut absolument que la vision fût entachée de divinité et de miracles, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, il a écrit un livre, peut-être que vous n'avez jamais lu, qui n'existe même plus. C'est seulement à la bibliothèque du Congrès, un seul exemplaire, qu'on ne donne qu'aux blancs. Bon, ce livre s'intitule « Le vrai Coran », « The True Quran ». Mais dans ce livre se mêlent curieusement des extraits commentés par les soins de Nobel Drew Ali, hein, du Coran lui-même. Curieusement, certaines sourates, mais pas d'autres, la sourate de l'éléphant, « Alam Tarakifa », etc., hein, les sourates qui concernent en fait les Éthiopiens et les Yabisins. C'est curieux ça. Hein? Et dans le Coran, et la Bible aussi, les textes qui concernent l'Éthiopie et l'Égypte, et aussi des enseignements de Marcus Garvey. Attention! Et afin, pour agrémenter le tout, les propres convictions philosophico-religieuses assez subtiles. Et Drew Ali. Donc, ses disciples, qui étaient très nombreux pour l'époque, et avaient le vendredi pour jour saint. Le vendredi, on ne va pas se faire exploiter qu'il est blanc. On va chez Drew Ali. Hein. On abandonne tous les slave names, les noms d'esclaves. On prend des noms arabes. N'est-ce pas? On ne boit pas d'alcool. On ne fait pas une sexualité douteuse. Ah, là, bon, moi-même, j'insinue ici le doute. On ne danse pas trop. On ne fait pas la fête. On ne joue pas la musique. Pourquoi? Parce que selon Drew Ali, il s'agit là d'autant de vecteurs de la corruption et de la perversion des mœurs. Vous voyez bien cette idéologie. Donc Fard, qui a fréquenté Chicago, va donc lui-même maintenant, une fois que ce mouvement est tombé, comment le mouvement est tombé? C'est que la joie même de Drew Ali est utilisée par la police américaine pour lui faire un coup d'état. Il se fait assassiner. Et lorsqu'il se fait assassiner, on met maintenant Drew Ali en prison. Et on lui injecte une substance qui va le tuer à petit feu après sa libération provisoire. C'est comme ça qu'il a disparu de la circulation. Et que son mouvement s'est effondré, puisque celui qui lui a succédé, lui-même a été éliminé après. Donc les adeptes ont tous fui. Vous notez une constance du mouvement du nationalisme noir. On élimine le leader et il n'y a plus de mouvement. Parce que ça s'effondre comme un château de cartes. Quoi qu'il en soit, Fard va donc comprendre l'importance pour lui de surfer sur cette dissidence qui s'opposait en fait au christianisme pour une raison simple. Le christianisme était assimilé à la religion des esclavagistes. Donc on ne pouvait pas, à partir de la religion des esclavagistes, tirer de l'espérance pour les opprimés. Cela paraît logique. Mais le mythe fondateur sur lequel la nation de l'islam va prospérer, qui est assez étrange, qui a été rapporté par Elijah Mohamed lui-même, je l'ai résumé à ma manière. Je n'entre pas dans les considérations sur la création du blanc par le Yacoub.
ainsi de suite. Et puis les autres questions concernant la naissance de l'homme vont dans une zone asiatique, Arabie, bon, c'est très compliqué. Jusqu'à présent, même les Kémi Séba et autres, qui sont nos enfants, n'est-ce pas, je revendique cette paternité, n'est-ce pas, même s'ils ne me reconnaissent plus comme un de ses parents. En tout cas, ces jeunes, ils ont compris un fait important. C'est que aujourd'hui, l'Afrique est le berceau de l'humanité et la matrice des civilisations anciennes. D'après les données de la paléontologie humaine, de l'archéologie préhistorique et de la génétique des populations. C'est un fait certain. Donc, nous considérons donc ça comme le mythe fondateur et le récit d'origine d'une tribu qu'on appelle la tribu de Chabaz. Hein? Sans entrer dans les considérations techniques sur cette question, je décline trois temps forts de cette doctrine. Un, Allah, le Dieu noir. Mais ce n'est pas un noir comme les Africains, crépus, tout ça. Non, ça c'est pas bon. C'est un noir qui est brun, hein, qui est esthétique, beau, filiforme. Hein. Il n'est pas adipeux comme les nègres bantous. Donc je suis. Allah, le Dieu noir, est un Dieu de grandeur et de majesté qui est apparu à Elijah Mohamed sous les traits du Mahdi Fard. Il est venu pour détruire le monde de mensonges et d'oppression confié par Yacoub à la race blanche qu'il a créée pour permettre aux descendants de la race originelle, noire ou brune, de redevenir des êtres dont la sagesse, le savoir et le pouvoir seront de nouveau illimités. Mais pour cela, il faut qu'ils s'astreignent à une certaine discipline, à une certaine rigueur, à une certaine hygiène de vie. C'est le premier temps. Donc ça, c'est ce que j'appelle la prédiction. Deuxièmement, l'Amérique étant le sanctuaire par excellence de l'oppression instituée sur la terre par la race de Yacoub, il faut une séparation totale entre les Noirs, descendants de cette race originelle, même s'ils ne le savent pas, mais ils ne tarderont pas à le savoir, et la création d'un État noir aux États-Unis, reposant ou s'inspirant exclusivement des principes divins énoncés par le Mahdi Fard lui-même. Voilà le deuxième temps fort. Là maintenant, je dirais que c'est le programme politique, disons le royaume politique au sens de Nkrumah. Troisièmement, les autres Noirs du monde, notamment ceux d'Afrique, doivent prendre pour modèle dans tous les domaines, à commencer par le domaine religieux. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais je vous ai dit, donnez-moi 40 minutes. J'ai commencé depuis combien de temps? Oui, mais j'ai commencé depuis combien de temps? Ça fait 20 minutes, la moitié de 40. Pourquoi vous m'interrompez au bout de 20 minutes? Donc, le temps que vous perdez, je vais le prendre. Donc, doivent prendre pour modèle dans tous les domaines la tribu de Chabaz pour se régénérer, se métamorphoser avant d'entreprendre la reconquête du monde. Vous voyez, il y a quelque chose de pénible à faire des hommages à Malcolm X et à les bâcler chaque fois. Moi, quand je travaille avec exigence. Donc, je demande à ce qu'on me donne du temps pour donner mon point de vue. Sinon, ce n'est pas la peine de m'inviter. Voilà. Parce que quand nous faisons un débat, nous devons faire un débat non pas sur des quiproquos ou des ambiguïtés, mais sur des faits étayés. Donc, moi, je demande 40 minutes. Je vais me tenir à ce que j'ai dit. Vous verrez. Prenez le chronogramme. Donc, la thèse centrale que je défendrai dans mon exposé est la suivante. La pensée panafricaine de Malcolm X au Malawi ou au Mowali rompt radicalement avec les postulats idéologiques de la nation de l'islam. D'accord? Et à partir de 1963, j'y serai plus explicite. À partir du 10 octobre 1963, elle s'articule autour de 6 propositions majeures qui sont inconciliables avec l'enseignement de la nation de l'islam. Donc cela veut dire que je rejette comme absolument irrecevable les explications selon lesquelles Malcolm X aurait rompu avec la nation de l'islam parce qu'il y aurait eu des problèmes de mœurs liés à la figure d'Elijah Mohamed. C'est le premier point. Deuxièmement, parce qu'il y aurait eu des détournements de fonds hein, dans lesquels Elijah Mohamed serait lui-même impliqué. C'est le deuxième point. Troisièmement,
dans la mesure où la nation de l'islam, sous le règne d'Elijah Mohamed, serait une organisation sectaire qui ne permet pas aux noirs non musulmans ou qui n'appartiennent pas à leur groupe de pouvoir entrer dans un programme d'unité pour les droits civiques et pour la libération des peuples, du peuple afro-américain de l'oppression dont il était victime depuis que les noirs sont venus à Jamestown, hein, dans les premiers bateaux, hein, pour échouer en tant qu'opprimés et esclaves de l'Amérique. Donc, s'il en est bien ainsi, je sais que je ne peux pas développer, mais voici les points de rupture entre Malcolm X et par-delà les fausses explications, hein, que j'ai donc balayées d'un revers de main. Le premier point est le suivant. L'islam, toute tendance confondue, donc qu'il s'agisse de l'islam, de la nation de l'islam, ou de l'islam sunnite, ou de l'islam chiite, ou de toutes les autres écoles, n'est pas la religion originelle de la première humanité dénommée la tribu des Shabazz, encore moins celle de l'humanité future, mais il est une religion parmi d'autres. Et dans ces conditions, il est illusoire de penser qu'il peut cristalliser à lui seul ou fédérer la lutte des Noirs contre l'oppression partout dans le monde. Voilà le premier point de rupture. Il est explicite, il est clair, il faut le noter. Deuxième point, plutôt que d'une rédemption messianique du peuple noir sous l'égide de la nation de l'islam et du messager, hein, du Mahdi qu'est Elijah Mohamed, c'est d'une révolution totale, une révolution que le peuple noir a besoin afin de s'affranchir définitivement du système qui l'exploite, l'appauvrit et le détruit à l'échelle planétaire. Donc parler d'une révolution, ça s'oppose à la rédemption messianique, n'est-ce pas? Et cette révolution dont on parle, parce qu'il n'y a que deux schémas, hein, depuis que le monde est monde. Il y a le schéma de ceux qui veulent changer le système, sous-entendu de l'intérieur, on les appelle des réformistes, et le schéma de ceux qui veulent changer de système, et qui donc ont un autre système alternatif, qu'ils vont mettre en place sur les ruines du système qui les opprime, n'est-ce pas? Bien. Alors s'il en est ainsi, c'est de cela, ce deuxième schéma que parle Malcolm X. Et il s'agit d'un schéma qui concerne le système, pas les représentants du système, mais le système lui-même dans ses fondements. Malcolm X va donc être le premier activiste noir des droits civiques, depuis Randolph jusqu'à Luther King, à étudier le système méticuleusement. Et pourtant, c'est un autodidacte. Hein? Personne d'autre ne l'avait fait de cette manière avant lui. Et ce qui va se passer, c'est le troisième point. Malcolm X dit que l'Afrique est l'épicentre de cette révolution noire mondiale. C'est comme ça qu'il l'appelle. En raison de sa position géostratégique privilégiée d'une part, il dit que c'est de l'Afrique que transitent toutes les relations internationales. C'est à partir de l'Afrique. L'Afrique est le seul continent qui soit au centre du monde. Donc ce n'est pas l'Europe qui est le centre et l'Afrique la périphérie, c'est l'inverse en termes de géostratégie. Deuxièmement, en raison des qualités de ses ressources naturelles inépuisables. Et surtout, et c'est ça la grande révolution, en raison du statut de l'Afrique comme berceau des plus anciennes civilisations connues sur la Terre. Je vous renvoie d'ailleurs, à cet égard, au discours de Malcolm X sur la Nubie, l'Éthiopie et l'Égypte ancienne, et la façon dont ces civilisations ont fécondé les civilisations de la Méditerranée septentrionale, la Grèce, Rome, et les civilisations également de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire le Proche-Orient, et etc. Donc ça, c'est du Malcolm X. Je rappelle que la doxa de la nation de l'islam, c'est que c'est l'Arabie qui est l'épicentre. C'est pas l'Afrique. Hein? Donc vous voyez, voilà un autre point de rupture qui concerne un point fondamental, la conscience historique africaine. Ensuite, quatrième point, Malcolm X dit, les Afro-Américains doivent s'unir avec les peuples opprimés de leur continent d'origine pour constituer une avant-garde éclairée de la révolution noire mondiale. Et c'est là l'objectif de l'organisation qui va mettre sur pied à cet effet, qui est l'organisation de l'unité afro-américaine. O-A-A-U, l'organisation de l'unité, qui est d'ailleurs, vous l'aurez vu tout de suite, conçue à partir de l'anagramme de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine. Hein, cela paraît évident. Et puis,
Le dernier point sur lequel je vais, l'avant-dernier point sur lequel je vais insister ici, et puis après je vais conclure, est le suivant. Voilà. Et Malcolm X va poser maintenant que cette révolution noire mondiale ne peut pas avoir d'autre doctrine que le panafricanisme. Et que le panafricanisme dont il parle n'est pas le panafricanisme des élites. C'est-à-dire les gens qu'il a vus au Ghana, qui sont dans des costumes comme moi. Un clé d'œil, bon, c'est très heureux. Et aussi, qui parlent le Queen's English, c'est-à-dire l'anglais de la reine, hein, et qui ont un mépris pour leurs semblables, nègres, qui sont paysans, et qui n'ont pas accédé à la culture du maître. Donc ce n'est pas ce panafricanisme-là. Et d'ailleurs, il a dit qu'un jour, il reviendra en Afrique, si on ne l'assassine pas, pour aller au contact des vrais acteurs du panafricanisme, que sont ces paysans, ces femmes qui sont exclues. En Afrique actuellement, il n'y a qu'une seule femme qui dirige un pays. Sur 54 États, vous voyez bien. Donc c'est un signe. Et effectivement, il appelle ça les discriminations internes des opprimés. C'est-à-dire comment les opprimés s'oppriment entre eux, hein, en s'appuyant sur la culture du maître. Je voudrais donc conclure en disant ceci, parce que ce que je vais présenter maintenant en conclusion, ça va être ce que j'appelle aussi une invitation à la réflexion et à peut-être un débat futur. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, Malcolm X est celui qui a eu l'idée suivante. Si la nation de l'islam ne peut même pas fédérer les Noirs entre eux, d'accord ? Parce qu'il va de soi que les autres confessions religieuses sont également organisées, mais par les maîtres, bien sûr. Donc c'est ce que j'appelle le premier cancer qui s'oppose à notre unité, c'est-à-dire le cancer micro-confessionnel, la division confessionnelle, c'est la première chose, qui s'oppose à notre unité politique. La deuxième chose que les Noirs américains n'ont pas, mais qu'il a remarqué en Afrique, hein, c'est le cancer micro-tribal. Hein? Il a dit que des gens qui se disaient panafricanistes à Londres, on arrive au Nigeria, ils commencent à dire qu'ils sont à Oussa et qu'ils n'ont rien à voir avec les autres là, Yoruba, et ni, bon, etc. Hein? Ni les Ibo, etc. Donc lui, il découvre qu'en fait, il y a parmi les Noirs des cloisonnements, hein, de type ethnique, et que cela est un obstacle même à l'unité nationale sur un petit territoire. C'est le deuxième point. Et le troisième point concerne ces frontières que l'Occident a créées, d'accord, et qu'on appelle maintenant les frontières héritées de la colonisation, qui sont intangibles, qui seraient intangibles. Mais c'est intangible seulement quand ça les arrange. La preuve, le Sud-Soudan est né, parce que ça arrangeait les Américains pour le pétrole du Sud-Soudan. Or, l'homme qu'ils ont assassiné, qui portait l'unité du Soudan, John Garang, ils l'ont tué dans un accident d'avion, d'accord ? Cet homme a dit, je ne négocierai jamais l'unité du Soudan, car le Soudan est le fer de lance de l'unité africaine. Et donc, vous voyez bien, je touche du doigt ici, les trois cancers qui s'opposent déjà à l'unité des Africains entre eux, des Africains restés sur le continent. À plus forte raison, les contradictions colportés par les Africains de l'extérieur, qu'on appelle les Afro-descendants, qui sont partis dans les conditions que vous savez, hein, l'océan Atlantique étant un vaste océan, cimetière à ciel ouvert. D'accord ? Donc, je dis que le message de Malcolm X, et c'est l'hommage que je vais rendre à Malcolm X, public aujourd'hui, le message de Malcolm X, c'est le suivant. En fait, le continent africain est le pôle de, qui a cristallisé toutes les oppressions du monde depuis que le système capitaliste, porté par ce que j'appelle aujourd'hui l'international mondialiste, parce qu'un prêtre du Qatar, il se sent bien avec Sarkozy. Il n'y a pas de problème, ce sont des copains coquins. D'accord ? Mais le problème se pose entre les gens du Caire, dans les rues du Caire,
qui souffrent, hein, et ceux qui sont dans les rues de, je ne sais pas, de Jeddah, et qui n'ont pas bénéficié de la rente pétrolière. Donc le problème, ce clivage, Malcolm X l'avait bien perçu. Il a dit, je ne suis pas contre les blancs, je suis contre les oppresseurs, quel que soit leur visage et leur couleur. Donc le jour où les oppresseurs, puisqu'ils savent s'unir entre eux, ils donnent des institutions appropriées et affermentées, il ne tient qu'aux opprimés que nous sommes de nous unir entre nous. Mais que constatons-nous? Eh bien, les mêmes divisions provoquées par les oppresseurs reviennent entre les opprimés. C'est ainsi qu'il y avait cette contradiction entre le panafricanisme et le panarabisme à un moment, qui était porté par Nasser, Gamal Abdel Nasser, un homme éminent s'il en fait, un patriote éminent s'il en fait, hein, et Nkrumah. Et toutes ces contradictions qu'on a retrouvées dans le groupe de Casablanca, avec le roi Mohamed V, etc., elles n'ont pas disparu, ces contradictions. Vous voyez ? Donc, il y a deux choses qui font que le monde arabe et le monde noir africain ne sont pas en capacité pour l'instant de former un front commun d'avant-garde. La première chose, c'est ce que j'appelle un contentieux historique lourd, qui est dû au fait qu'il y a eu une traite négrière orientale qui n'est pas reconnue, et qui non seulement n'est pas reconnue, mais en plus on dit ou on laisse entendre que c'est une imagination, hein, de l'Occident et des opprimés qui s'entendent contre les Arabes. Non. Kadhafi a dit, ça a existé. Dans son livre vert, dans un chapitre intitulé « Les Noirs régneront sur le monde », qui n'a pas été compris par les Arabes eux-mêmes, si j'en crois ce que ça a suscité comme tollé, eh bien, il a dit ça. Il a dit, il faudrait qu'on solde cette affaire-là. La deuxième chose, c'est la condition des Noirs dans le monde arabe, à l'heure actuelle. Je regrette, nous ne pouvons pas faire l'unité africaine si déjà au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il n'y a pas de promotion des Noirs marocains, tunisiens et algériens. Quand je dis qu'il n'y a pas de promotion, je veux dire par là qu'ils sont confinés dans des statuts subalternes dans la société. Et Kadhafi était conséquent puisque Younes, Jawad Aboubakr Younes, était donc son ministre de la Défense jusqu'au bout. Et on l'a assassiné avec Kadhafi, dans des conditions aussi ignominieuses. Mais la presse n'a pas montré les images que moi je détiens de l'élimination du noir qui a soutenu Kadhafi jusqu'au bout, son ministre de la Défense, depuis qu'il a pris le pouvoir. N'est-ce pas? Donc, ce que je veux dire pour terminer, c'est que nous ne pouvons pas décréter l'union au motif que nous avons les mêmes oppresseurs. Nous ne pouvons pas forcer des gens qui ont mis des siècles sans se respecter à entrer dans une coalition pour combattre un ennemi imaginaire. Nous sommes obligés de faire notre propre introspection, et cette introspection, nous la ferons aussi bien dans le monde arabe que dans le monde négro-africain. Et c'est la seule et unique condition pour engager ce que nous appelons tous de nos voeux, en tout cas il s'agit de nos voeux les plus ardents, qui étaient également ceux de Malcolm X, à savoir la lutte des peuples opprimés du monde arabe et du monde africain pour aboutir à un monde multipolaire, débarrassé, hein, de la mondialisation néolibérale et de tout le cortège de malheurs que charrie ce système. Et c'est pour cela, je pense, que nous sommes venus saluer la mémoire de Malcolm X. Et je voudrais, à mon tour, avant de conclure, vous saluer pour cette initiative. Et je vois d'ailleurs dans la salle beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos frères du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Et je m'en réjouis aujourd'hui, au moment de participer à cette discussion avec vous. Je vous remercie. Il y a des plateformes qui se créent. Déjà, nous commençons à travailler avec des associations, hein, qui luttent contre l'islamophobie. J'en veux pour preuve que lorsque nous avons fait la conférence avec les jeunes étudiants congolais de l'ULB, nous avons invité nos frères qui luttent contre l'islamophobie. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, je prends un exemple, le terme négrophobie. On ne veut pas l'accepter ici en Belgique. Hein? On a même monté des gens pour créer le terme afrophobie, pour contrer le terme négrophobie.
Tout simplement parce que derrière ce terme qu'ils ont créé, il y a un ressort politique. En fait, c'est la même chose. Vous savez, nous faisons la visibilité du patrimoine colonial. Je le rappelle souvent. Il y a le monument du Congo qui est au parc du cinquantenaire. Et qu'est-ce qu'on y voit? On a travesti l'histoire. Et pendant plus d'un siècle, on a instauré une histoire qui vise finalement à monter les uns contre les autres. Qu'est-ce qu'on a mis? Ben, ce qu'on a dit, c'est que les Belges sont allés au Congo pour chasser les Arabes qui venaient pratiquer l'esclavage, n'est-ce pas? Et donc, un Noir qui ne connaît pas son histoire, qui ne connaît pas véritablement ce qui s'est passé au Congo, qui sont allés faire l'esclavage là-bas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détester les Arabes. Et au-delà même de cette divergence historique, la question de l'actualité de nos combats aujourd'hui, c'est lequel? C'est un combat dans lequel il y a une majorité, comme je l'ai rappelé dans mon intervention, qui s'appuie sur des institutions, et je le rappelle, le professeur faisait bien de me le rappeler avant la conférence, souvent les institutions de lutte contre le racisme qui sont instaurées, instituées, sont des institutions qu'on instrumentalise pour nous diviser, finalement. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, les plateformes, aujourd'hui, nous avons un grand travail. Parce que pendant longtemps, il y a eu une politique, pas seulement ici, mais en Afrique aussi, hein, des vassaux de ce capitalisme néocolonial qui a visé à diviser le nord de l'Afrique et l'Afrique noire. Si vous prenez le travail pionnier, social, idéologique, qu'ont mené les pères des indépendances, comme Gamal Abdel Nasser en Égypte, qui a accueilli les enfants de Lumumba et son épouse, qui, ses enfants parlent parfaitement arabe aujourd'hui, de Ahmed Ben Bella. Pourquoi est-ce qu'on a cherché à tout prix à les descendre? Parce que ces gens croyaient dans un projet panafricain. Et ce projet panafricain, nous devons, je pense qu'ici nous avons un défi énorme, c'est arriver effectivement à faire travailler ces deux pans de la société opprimée. Et je pense que ce travail doit commencer maintenant. Nous l'entamons déjà avec Nordine et les autres. Donc ce sont des plateformes. Vous savez, les plateformes, je termine là-dessus, les plateformes ne se décrètent pas. Moi, j'ai toujours dit à mes frères que quand on fait une grande assemblée et qu'on s'assied pour dire « nous faisons une plateforme », ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens vont vouloir savoir qui va être président de la plateforme. Ça, c'est le problème. Les plateformes se créent dans le travail sur le terrain. Et donc, c'est en travaillant ensemble qu'on va mieux se connaître et qu'on va voir quelles sont les stratégies que nous allons mettre en place pour avoir une lutte commune. C'était ça le sens de mon intervention, de la fin de mon intervention. Je pense que la question telle qu'elle a été formulée comporte, disons, un aspect qui est explicite, hein, c'est-à-dire le fait de mettre l'accent sur une discrimination, une stigmatisation des musulmans. Mais il y a un non-dit, hein, à travers cette question. Ce non-dit voudrait réduire l'entité, hein, des musulmans à une entité qui serait opposée aux Noirs, alors qu'il y a des Noirs musulmans. Donc pour être plus clair, je crois, dans la formulation de la question, ce qui nous permettra d'anticiper la réponse, il est des notions qu'on nous a imposées, hein, parce que le discours, hein, comporte une certaine sémantique confusionniste. C'est le cas de la notion d'antisémitisme. Hein, vous voyez bien que quand on parle d'antisémitisme, on parle d'une composante particulière du monde dit sémitique, à l'exclusion des autres composantes. Mais on ne justifie jamais les raisons de cette exclusion. Vous voyez, ainsi, l'antisémitisme serait simplement la stigmatisation du juif, alors même qu'il existe un terme plus clair, qui est la judéophobie.
hein, qui est donc une forme de racisme dont seraient victimes ceux qui se considèrent comme juifs. De la même manière, il existe le terme arabophobie, qui est un néologisme très utilisé dans le monde anglo-saxon, qui désigne clairement les discriminations dont sont victimes les Arabes, ou ceux qui se considèrent comme tels. Et enfin, il y a le terme de négrophobie, hein, qui également existe, même s'il n'est pas accepté en Belgique, mais la Belgique n'est pas le centre du monde. La capitale d'Europe n'est pas le centre du monde. Donc, la question que nous posons est celle-ci. C'est très simple. Quel est l'enjeu de la discrimination et de la stigmatisation, d'accord, dont souffrent tous ceux qui ne sont pas dans le monde occidental considérés comme des héritiers de ce qu'on appelle les populations indo-européennes, parce qu'il faut dire les choses clairement, n'est-ce pas, et accessoirement ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne, qui serait d'ailleurs le fondement de cette civilisation indo-européenne. C'est ça le vrai enjeu. Une fois qu'on pose cette question, à ce moment-là, on se rend compte qu'il existe une solidarité de fait entre toutes les autres entités qui sont victimes de cette stigmatisation, à savoir le monde asiatique, qui a une civilisation, hein, la Chine, etc., l'Inde, etc., le monde africain noir et les afro-descendants, d'une manière générale, le monde arabe, avec toutes ses composantes, y compris la vision du panarabisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Si nous posons les questions clairement comme ça, nous pouvons alors converger vers ce qu'on appelle des plateformes unitaires, et à ce moment-là, nous pourrons mener un combat sans ambiguïté, sans créer d'autres discriminations à l'intérieur des discriminations. Voilà donc le point de clarification que je souhaitais noter. Préciser une anecdote, je ne sais plus, jeudi ou mercredi dernier, j'étais à Paris, j'étais invité par l'association des étudiants musulmans de l'université Dauphine. Donc l'université Dauphine, c'est une université de gestion, management, finance, économie. Et c'était pour ce qu'ils appellent Black History Month, que moi j'appelle moi de l'histoire noire, parce que je pense qu'il faut dire les choses telles quelles. Quand on est noir, on ne va pas sortir black. Je crois que ça fait partie aussi des choses qu'il faut vraiment mettre en avant. Et j'étais très ravi de voir que finalement cette association des étudiants musulmans, en fait, il n'y avait que des jeunes femmes. Elles étaient à la fois noires et blanches, voilées, pas voilées, mais c'était quasiment que des femmes. Il y avait peut-être un ou deux hommes. Et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit qu'effectivement, les femmes sont là, elles s'organisent, elles sont discrètes, parce que quand on voit étudiants musulmans, on n'imagine pas qu'il n'y a que des femmes, mais elles sont bien là. Et ça, ça m'a fait plaisir. Je crois que c'est des choses qu'il faut souligner. Et dans d'autres mouvements qui se mettent en place en France, dans le monde panafricain, il y a également des femmes qui font des choses. Et je crois qu'il est important qu'on les encourage, ne pas de manière paternaliste, mais qu'on les encourage en s'inspirant d'elles, parce que bien souvent, ce sont elles qui nous montrent la voie. Sur les questions qui ont été posées, et peut-être juste une dernière réaction sur ce qui vient d'être dit par Nordine, je crois que la question des violences policières, elle est cruciale. C'est plus globalement la question de l'impunité, la question du respect, des personnalités comme des grandes personnalités de notre histoire ont toutes été soumises à l'impunité. Quelqu'un comme Patrice Lumumba, le crime reste impuni. On a toujours des personnes qui se vantent devant les caméras d'avoir une dent de son corps, etc., alors qu'elles ne seront jamais poursuivies. Et c'est la même impunité qui est également celle dont bénéficient les multinationales qui pillent le continent africain, qui organisent un certain nombre de guerres ici ou là, tout en sachant qu'aujourd'hui, sur le continent africain, contrairement à ce qui se passait dans les années 60-70, il n'y a plus aucune guerre de libération. Il n'y a que des guerres de prédation. Dans les années 60-70, les Africains se battaient, faisaient la guerre pour se libérer. Aujourd'hui, ce sont des guerres instrumentalisées pour les amener à s'entretuer et piller les ressources. Sur la question de l'intellectuel organique, je crois qu'il faut partir en fait d'un constat, d'une formule qu'on dit très souvent. On dit souvent que l'Afrique est malade de ses intellectuels. Et je crois que cette formule est vraie. Nous sommes malades de nos intellectuels parce que nous avons deux catégories d'intellectuels, donc ceux qui sont effectivement organiques et ceux qui sont problématiques, c'est-à-dire
des personnes qui ont le PhD, qui ont fait de très grandes universités, qui ne sont pas bêtes, mais qui ont néanmoins été acculturés à un système qui leur permet après de revenir dans les pays africains et de faire passer toutes les politiques d'ajustement structurel, de faire passer vraiment tout ce qu'il y a de pire pour le continent africain. De l'autre côté, donc, ces intellectuels organiques, qui ne sont pas nécessairement aussi bien diplômés, mais qui ont néanmoins, au-delà de la posture, qui ont une certaine carrure, qui ont une certaine étendue, parce qu'ils ont un talent. Et ce talent, en fait, c'est de prendre en compte les réalités sociales et de s'appuyer sur ces réalités sociales pour proposer des systèmes différents. C'est Cabral, principalement, qui a élaboré la théorie du suicide de classe, où il expliquait qu'il est important que ceux qui ont justement bénéficié de ce savoir apprennent à se remettre en question, la remise en question, l'humilité. C'est ce qui manque malheureusement à beaucoup d'intellectuels noirs, africains, ou même des milieux opprimés. Cette idée que parce qu'on est intellectuel, eh bien on peut faire la leçon aux autres. Et je pense que beaucoup auraient besoin d'être remis à leur place et d'être un peu plus souvent spectateurs. Moi, je suis très content d'être aujourd'hui avec le professeur Gomez parce que je l'ai rencontré plusieurs fois, enfin, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai suivi ses interventions sur YouTube. La première fois que je l'ai vu physiquement, c'était à une marche pour l'unité africaine qui est organisée par plusieurs mouvements panafricains le 27 décembre à Paris. Et il était parmi, entre guillemets, les anonymes qui défilaient. Il n'a pas cherché à être la star éminente, etc. Et je crois que cette humilité, tout en ayant la compétence, c'est une des marques de ce qui pourrait être ce fameux intellectuel organique. Sur la manière ensuite de lier cette organicité avec un autre système, bien là il faut des plateformes, il faut des organes souvent politiques, parce que c'est par le politique qu'on peut transformer les choses, c'est par le politique qu'on peut remettre en place des systèmes d'éducation qui corrigent un certain nombre d'erreurs, et là encore c'est le devoir de ces intellectuels organiques, tout en sachant que tout le monde a cette capacité. Toutes les personnes qui sont présentes dans la salle ici-là, ici aujourd'hui, ont un talent, et ce talent, elles peuvent le mettre au service d'une cause. Dans le mouvement pour les droits civiques, dans les luttes pour la libération, il y a eu tous les profils professionnels qui se sont engagés. De la nourrice au chômeur, en passant par le chef d'entreprise, il n'y a pas de distinction liée à la classe, liée à l'origine, qui empêche de s'engager de manière organique dans la lutte. Donc je pense que c'est cet élément-là dont il faut bien se remémorer. Sur la question après de la manière dont on peut finalement transmettre cette éducation, transmettre cette histoire, là encore je crois que c'est par la lecture. Malcolm X a lu énormément. Il a lu énormément, il a lu le dictionnaire, il a tout lu, il a tout décortiqué, il a tout déconstruit, et c'est par la lecture. Donc je crois qu'il est très important que les ouvrages que nous produisons, que les DVD que nous produisons, ils soient pas nécessairement achetés, mais en tout cas qu'ils circulent le plus possible, qu'ils soient à la limite piratés. Moi, mon livre, j'ai bien l'intention qu'il circule dans l'intégralité du continent africain. Et j'irai le défendre partout où je pourrai aller le défendre. J'ai bien l'intention qu'il soit mis au débat par des étudiants, qu'il soit critiqué, qu'il soit approprié par des personnes, et qu'à la limite, on oublie mon identité, et que l'on garde juste la substance qui fait le débat et qui permet à chacun d'avancer et de se construire. Donc je pense que c'est en donnant à notre jeunesse notamment ces éléments-là qu'on pourra y arriver. Dans une société par exemple comme la Grande-Bretagne, c'est une question qui est éminemment sensible parce qu'à un moment de leur trajectoire, les Noirs de Grande-Bretagne se sont rendus compte d'un problème dans la société britannique. Ils se sont constatés que la majorité des adoptions étaient des adoptions transraciales, c'est-à-dire des couples blancs sans enfants, qui décide d'adopter forcément un petit enfant noir, en se disant on va lui offrir un avenir. Et ça, ça a amené une certaine génération noire de Grande-Bretagne à prendre conscience du fait qu'ils avaient raté une étape. Donc cette question de l'intergénérationnalité, je crois qu'elle est extrêmement importante de nos jours, parce que c'est par ce biais-là que nous avons, dans bien des cas, été vaincus, et c'est par ce biais-là, c'est en reconstruisant cette solidarité de génération que l'on pourra se projeter, je pense, dans l'avenir, que l'on pourra surtout récupérer tout ce qui nous a été volé, pillé ou spolié dans le passé. Donc je crois que c'est vraiment les livres, les formats de connaissances, les conférences, les événements, les manifestations, parce que c'est aussi sur le terrain qu'on se forme, participer à des manifestations, à des mouvements, ne pas vivre en vase clos, comprendre que nous sommes des millions et des millions à vouloir ce que nous voulons aujourd'hui, ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous sommes des millions, peut-être même des milliards de Malcolm X sur cette planète.
mais que ceux qui sont en face veulent absolument que nous ne prenions pas conscience de cela. Donc il faut que chacun avance, mais avance de manière solidaire avec les autres. Merci. Bien. Je crois que Gramsci, Antonio Gramsci, lorsqu'il parlait de l'intellectuel organique, il parlait en fait de ceux qui, au lieu de se prendre pour l'avant-garde éclairée du peuple, d'accord, doivent faire corps avec le peuple et élaborer des stratégies qui permettent au peuple de sortir d'un système d'oppression en prenant même des risques physiques, en hypothéquant leur propre avenir et en se suicidant socialement. C'est ça un intellectuel organique du peuple au sens de Gramsci. Hein? Ensuite, la Briola et d'autres ont élaboré le concept. Et dans le cas de l'Afrique, à quoi nous assistons? Nous assistons à des gens qui sont incapables de faire un exposé dans leur langue maternelle, hein, pour que leur peuple comprenne. D'accord? Donc ce n'est pas une avant-garde éclairée du peuple. Ils sont peut-être... ils ne sont peut-être pas analphabètes, hein? Mais dans leur langue, oui, ils sont analphabètes. Oui. Ils sont ignorants dans leur langue. Et je connais des gens que j'appelle des penseurs organiques de la tradition qui peuvent leur donner la leçon sur les sujets dont ils se vantent de détenir l'expertise. Ça, c'est un premier point. Et c'est un grave problème parce que ce sont les intellectuels que les Occidentaux, après avoir, effectivement, après les avoir formatés et cuisinés, ont décrété qu'ils ont le monopole de la gestion de nos États, ad vitam aeternam. Vous ne verrez pas de gens dans les grands parlements africains, dans les gouvernements, qui ne présentent pas ce profil. Si vous êtes un paysan, vous ne pouvez pas être président au Bénin. Pourquoi? Parce qu'il se dit, dans la conscience collective du peuple béninois, que nous sommes le quartier latin de l'Afrique. C'est même pas ce que ça dit, le quartier latin. Tout ce que moi, c'est le quartier latin, c'est là où les étudiants font du désordre. Mais nous, il paraît que nous roulons bien le gaulois. On parle la langue française comme les blancs ne la parlent même plus. Nous sommes un très grand peuple. Pourtant, c'est un tout petit pays qui n'a même pas de solvabilité économique. Vous voyez? Donc, on a cultivé cela. Plus grave, on a cultivé des complexes entre intellectuels noirs, anglophones et francophones, lusophones, même arabophones. On a cultivé des complexes. Donc, quelqu'un a demandé tout à l'heure, c'est sur ça que je vais donner la première réponse, comment on peut faire pour résoudre le problème là? D'accord? Le problème de la représentativité des élites africaines, des élites politiques et intellectuelles africaines. Pour moi, la seule possibilité de faire ça, c'est de modifier le système éducatif africain, d'instaurer des formes d'émulation et des diplômes nouveaux basés sur la connaissance de notre propre paradigme africain. Cela va éliminer naturellement tous les éléments réfractaires à ce travail de recyclage et d'enracinement. Cela va les... De toute façon, ils n'ont qu'un seul choix. C'est aller en Europe, là où il fait froid, pour aller chômer. Donc ils vont aller en Afrique pour se recycler. C'est ça notre position, sur le fond. Donc nous ne choisissons pas des gens en fonction de telle université européenne, Sorbonne, etc. Nous choisissons des porteurs de projets qui sont capables, aujourd'hui sur le terrain, de reconstruire l'Afrique. Et ces porteurs de projets, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des femmes qui n'ont jamais été diplômées. Hein? Ce sont des gens qui sont sur le terrain, des acteurs inconnus et méconnus de cette transformation de l'Afrique qui se fait sous nos yeux. C'est le premier point. On nous demande également comment on va faire pour les enfants qui sont, puisque nous avons abordé rapidement cette question-là. C'est très simple. Aujourd'hui, les enfants, nous les envoyons à l'école pour avoir des diplômes et pour avoir un boulot. Ce que nous, leurs parents, on n'a pas. Mais on sait très bien que l'école à laquelle on les envoie, c'est une école qui enseigne le contraire de ce qu'il leur faut pour affirmer leur estime de soi et s'épanouir. Nous le savons parfaitement. Donc nous mettons en place, là aussi en termes de stratégie, des formes
de soutien familial. Ce qui veut dire qu'il faut des manuels. C'est pour ça que Motoumé a fait. Il a fait un livre sur les manuels pour les humanités classiques africaines. Il y a Moussa Lam qui a fait hiéroglyphes en babies, les hiéroglyphes dans le berceau. Et puis, il y a aussi toute l'histoire africaine qui est en train d'être présentée dans un livre à l'usage des enfants par la sœur Jalissa Segmet, hein, qui était une ancienne Rasta, redevenue maintenant adepte de la spiritualité africaine et panafricaniste. Donc, moi je dis que c'est vous qui devez mettre en place les outils de la libération. Pour moi, l'ouvrage du frère, je le lui ai dit, c'est un ouvrage qui est un... Depuis 30 ans, nous suivons les formations scientifiques. Depuis 30 ans, il n'y a pas d'ouvrage de synthèse, de ce niveau, qui soit paru dans le monde de domination française. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous ici, c'est un acte militant que nous devons poser en acte. Non seulement l'acheter, mais prendre aussi un exemplaire pour nos héritiers. D'accord? Prendre notre propre exemplaire, mais prendre un exemplaire, non pas pour dire j'ai eu la dédicace du frère Boukari, un grand auteur, donc j'ai eu l'honneur et puis faire une photo avec lui. Non, c'est lire le livre et lui renvoyer des critiques et des observations de manière à ce que la prochaine édition soit améliorée, revue, corrigée en intégrant tous ces critiques. Vous voyez? C'est ça que nous on appelle maintenant les réseaux de conscientisation panafricaine. On met en place des réseaux de conscientisation panafricaine. Il doit y avoir au Benelux une section qui s'occupe de ça. Il faut une librairie panafricaine à Bruxelles, peut-être à Matongé, des ouvrages panafricains qui sont censurés par les amusements. Donc, ce que je veux dire, puisque je suis dans la promo, je ne tiens aucun compte de ce que vous dites. Ce que je dis, c'est ceci. Lorsque vous finissez une conférence comme celle-là, ne rentrez pas chez vous en disant la prochaine fois, on attend le coup de fil de Change ou de tel ou tel groupe pour qu'on refasse les mêmes discussions. D'accord? Échangez entre vous vos coordonnées. Vous êtes autant de compétences et ces coordonnées peuvent être utiles demain dans le cadre du travail que nous sommes en train d'élaborer, qui est un travail qui déborde, disons, le champ de compétences de toutes les organisations ou associations prises individuellement. Nous entrons dans une dynamique de synergie et c'est cette plateforme panafricaine qui est en train de se mettre en place. Je suis heureux d'avoir contribué à cela. Et puis j'ai oublié aussi de saluer notre frère et camarade, d'accord, et qui a dit un certain nombre de choses essentielles. Bon, on appelle barre-vue policière des accidents de parcours. Lorsque des accidents se répètent tous les mois, ce ne sont plus des accidents, d'accord, ce sont des crimes organisés et perpétrés pour semer la terreur dans le rang des minorités. Ces crimes-là, vous ne pouvez pas être des citoyens belges et les laisser passer dans votre pays. Ben, ce sont des crimes que réprouve la constitution de la Belgique. Et c'est sur cette base légaliste que nous devons combattre. Ensuite, les principes moraux viendront après. Je vous remercie pour votre... to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in